Wesh, l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, le dernier en plus. C'est fini, d'accord, c'est finito. Et du coup, là en plus, on dit au revoir à Becca. Il n'y a personne qui est au courant, il n'y a que moi. Personne ne sait qui part. En fait, l'avion c'était le même prix que le train et bah là je vais faire 2 heures de trajet alors que je devais en faire 15. Ouais, voilà. Donc le move, il est plus intéressant. Ouais. Du coup, là, je vais le déposer à l'aéroport. Ils vont parler, ils vont tous péter un câble, puis dire au revoir à personne et tout. Non, je vais faire une vidéo Une vidéo surprise. que tu leur que tu montreras. Les gars, ça y est, tiens, je te laisse parler. C'est la fin, les gars. Voilà, j'ai passé des bêtes de vacances, en vrai de vrai. Là, je suis rentré un petit peu plus tôt dans la journée parce que c'était moins cher. Voilà, je suis un putain de rat. Ma valise, elle est derrière. Je parle à la caméra, mais il me reste 20 minutes pour enregistrer ma valise. C'est même pas sûr que j'ai mon vol. Mais en tout cas, non, c'était des bêtes de vacances, les frères. Et comme on l'a dit hors caméra, c'est que partie remise. Les voitures, elles avancent. On va devoir y aller. Je vous laisse. Gros bisous et à très bientôt pour la suite, les frères. Là, du coup, je viens d'arriver. Du coup, je viens de rentrer à la villa. Je viens de garer le camion là. J'ai déposé Becca, du coup, à l'aéroport. Il n'y a personne encore dans la villa à part Safine et moi-même qui étais au courant qui partait ce matin. On devait prendre le bateau à 17h ensemble, arriver à Nice le lendemain à 7h du matin. T'as pas envie de quoi, tu fais? J'ai pas envie de partir. Ouais. J'ai vraiment pas envie de partir. Il va falloir que tu parles à la caméra aussi, face caméra. Ouais. Et la semaine, elle est passée trop trop vite. J'ai déposé Becca à l'aéroport, il est parti. Il a pris l'avion. Non. Wallah. Moi je te jure. Il a pris l'avion. Et nous, il nous reste 1h50 pour tout Vas-y, ranger, vas-y. préparer les affaires. C'est bon? Pourquoi il a pris l'aéroport? Je t'expliquerai après. Vas-y. Wallah. Il a juré, il a juré. Non, wallah, halef, wallah, je l'ai À déposé quelle heure? moi. Je l'ai déposé il y a 1 heure à peu près. Moi je viens de rentrer. Et là, il m'a envoyé un snap, il est dans l'avion. J'ai mis un peu d'essence parce qu'on est dans la réserve. Ouais. J'ai tapé 45 minutes Mais aller. c'est quoi comme carburant que t'as mis au camion? Il y avait écrit en gros diesel. T'inquiète, t'inquiète, je suis pas con. Ah, parce que là, tu crois que c'est un prank? Ouais, non, je croyais que c'était un con, j'avais pas vu la Non. souris. Ah, il a mis une souris? Oui. Ah, bah voilà. Hein? Il est à l'aéroport là. Oui, bah en plus, il l'avait à côté, donc je me suis dit, attends, mais. Bah, non, pour de Alors, vrai. c'était à l'aller. Il est rentré. Ça fait du bien de rentrer aussi, tu vois. J'ai besoin de rentrer. J'ai envie de reprendre les lives. Je suis mon pote, j'ai envie de reprendre les lives. On était sur une bonne lancée. Je serais bien resté une semaine de plus, mais je suis pas si triste que ça de rentrer dans le sens où j'ai envie de reprendre les lives. Et je sais ce qui va se passer en fait, tu vois. Je sais ce qui va se passer. Je sais que voilà, il y a des choses de prévues. Comme vous savez, maintenant, on se cache plus. Il y a la gaming house qui devrait se faire assez rapidement. On pourra live, on pourra tourner nos vidéos YouTube, on pourra kiffer tous ensemble. Mais sinon, ouais, très content. Pour ma part, c'est la première fois que je rencontre Becca. Becca, qui est un mec comme ça, franchement, c'était cool. Vrai frère, avec Safine, bon, on a grandi ensemble. Ça, on s'est bien aimé, ça fait plaisir. Première vacances avec Safine en plus, alors qu'on se connaît depuis qu'on est tout petit. Et voilà, ça fait bien, ça fait aussi plaisir de voir JP prendre du bon temps, JP dans la piscine, JP en Corse, avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, le charbon, le travail. On a connu un peu des hauts et des bas, et du coup, ben, ça fait trop plaisir de le voir profiter. Bon, lui, il est dégoûté de rentrer, il kiffe sa vie ici, mais voilà. Il sait qu'il y a la gaming house qui peut potentiellement arriver rapidement, et je pense que ça lui fait du bien mentalement. Façon. Ça y est, c'est la fin. On est en train de tout ranger. Ok, là je vais faire une séquence. Passer les gens à tour de rôle ici. Ils vont être seuls dans une pièce et voilà, ils vont nous raconter un peu. Ils vont se livrer un peu. Ok, je vous laisse regarder. Les gens, commencez. J'espère que vous allez bien. Ça va? Ouais, moi ça va. Bon, comme vous savez, hein, dernier jour de vacances, hein. On va reprendre le bateau, on va retourner à notre petite vie tranquille. Bon, je vous tenais à vous remercier déjà les abonnés. Ah oui, si je suis en Corse, c'est pas grâce au Saint-Esprit, c'est grâce à vous quand même. Si vous êtes là, vous montrez que vous êtes là. Je veux dire merci à Naruto, Safine, à TK, Becca, parce que voilà, c'est eux qui me poussent, tu vois, quand ils font rager, c'est eux qui me poussent dans mes retranchements.
c'est dire une enragée, mais c'est pour la bonne chose, c'est pour la bonne cause. Quoi. C'est pour dire que vous rigolez, que ça soit pas comme ça. Merci à Instant Gaming. Voilà, merci les vacances. Et bisous. Bon les gars, c'est moi, c'est TK. Donc voilà, je vais vous donner un peu mes impressions de ces vacances. Donc avant toute chose, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la première fois qu'on passe tous des vacances ensemble, c'est la première fois, etc. Moi, personnellement, quand je prends des vacances, pour moi, après, parce que j'ai l'impression que c'est aussi devenu une mode, du sens, ça y est, forcément, t'es en vacances, t'es forcément obligé de tourner des vidéos, etc., etc. Et voilà, à la base, si tu prends des vacances, justement, c'est pour te déconnecter de tout ça, c'est pour te déconnecter des réseaux, déconnecter des vidéos, etc., même des lives, etc., etc. Et puis voilà, j'ai grave apprécié ces premières vacances ensemble, parce que c'est la première fois, donc forcément, on se découvre un peu, etc., etc. Du coup, ça m'a vraiment fait super plaisir de voir JP sur une autre image. Parce que JP, on le voit sur une image où on le voit souvent rager sur Twitch. Et là, il dégage vraiment une autre image, ça lui fait du bien. Même hier, je lui posais la question, je lui ai dit, ouais, est-ce que ça te manque de live? Il m'a dit non, ça me manque pas. Et en gros, il était bien ici. Les vacances, la piscine, la mer, ça nous fera aussi du bien de refaire des vacances ensemble au ski. Puis voilà. Par quoi commencer, quoi dire On va commencer par la semaine. Ça a été une semaine incroyable. Je n'ai jamais fait de vacances hors du bled. Du coup, je ne connais que le sable et les cailloux. C'est une toute première. Il fait hyper chaud. C'est trop bien. Tout ça pour dire que, wallah, que Jawed, bon, je le connaissais déjà. Je savais que c'était une personne en or, que je le kiffe, je l'aime plus que tout. Owen, je ne vais pas m'étaler sur lui, frère. C'est mon ami d'enfant. Je l'aime. Il sait déjà. On va pas. Nique ta mère, Owen. Si tu vois ça, nique ta mère. Becca, je savais pas que. Comme j'ai dit sur ma photo Instagram, un fils de pute devenu frère. Voilà, Becca, c'est un monstre. Je l'aime grave. C'est grave une bonne personne, il est incroyable. Ensuite, il y a Manon. Manon, super sympa, super gentil. Et sauf qu'elle a la voix, elle agace. Sa voix, elle énerve. Elle est très. Juste là, je pense à sa voix, je vais lui mettre des patates dans la tête. Zakodi, c'est un fake. Il est plus beau sur Instagram. Je m'attendais pas à avoir une tête au bal. Je peux faire des pompes yeah. Ta mère. Quoi? Je vais parler à la caméra, je te trouve en train de faire des roulades. T'as fini? Hein? T'as fini? Oui. Je crois que c'est à moi de parler du coup. Ça a été de très bonnes vacances. Un peu de déception due par la connexion. Je pense que la connexion, ça a un peu mis un coup au moral à tout le monde. On avait l'intention de sortir de longs vlogs pendant notre séjour. Et je pense qu'au moment où on est arrivé, on a vu qu'en fait, on n'avait pas de connexion. On pouvait même pas faire de live. Alors qu'on avait prévu de faire full live IRL. Nous régaler avec la communauté et tout. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas pu. J'ai passé de bonnes vacances. Je suis content. J'ai charbonné. J'ai fait mes vlogs. J'espère que vous allez kiffer. Maintenant, ben. Mentalité d'éther, on pense déjà au live, à l'après, à la gaming house, les idées, ce qu'on pourrait vous proposer pour vous faire rire, pour que vous passiez des bons moments, pour évoluer en fait, tu vois. Ça fait plaisir et j'espère que vous allez kiffer de ouf. Ok, ça y est, let's go. Valise prête. C'est bon, c'est l'heure. Let's go, tout est prêt. Ils ont déjà rentré leurs valises, moi mes valises elles sont en bas. On va finir ce vlog tranquillement, en détente, avec le voyage, le bateau. Départ. Pourquoi tu fais ça quand tu te filmes? Voilà, écoutez, ouais, vous allez dire que j'ai raison. Quand il fait une photo, il fait ça. Quand il filme, il fait ça aussi. Je sais pas, il lève sa tête et genre il, avec un visage grincheux comme ça. Avant de prendre le bateau là, on va se poser, boire un verre, manger un petit truc et après on prendra le bateau. Il y a 10h ou 11h de bateau, un truc comme ça. C'est la merde. Ouais, mais c'est pas. Du coup, j'ai terminé de manger et on quitte la zone où on avait l'habitude de se poser, manger au restaurant, boire des verres et direction le port pour prendre le bateau et direction 13h de bateau. Ouais, c'est 13h de bateau, direction Nice, ça va faire du bien. J'ai hâte d'être sur le bateau, je vous mens pas, ainsi posé au milieu de la mer dans la nuit. Écouter le bruit des vagues, seul au monde, avec mon casque et écouter de la musique. JP, viens. Dis-moi. C'est vrai, tu t'es fait caca dessus? Mais non, mais ferme ta gueule. Oh, vous me commencez à me casser les couilles, sérieusement, vous me cassez les couilles. Niquez-vous, vous fermez vos gueules. Voilà, c'est un test pour tous ceux qui disent qu'on s'attaque à JP, etc. Ouais, c'était un petit test. J'ai exactement dit la même chose à TK, il a rigolé, il m'a dit oui, je me suis fait caca dessus. Et là, on a un mec qui s'énerve pour rien. Voilà. Ok, let's go. Le bateau. Viens, on va prendre la boîte, je te reçois. On est bien arrivé. Je suis dans le bateau actuellement. On a pris une chambre. Oh.
On a pris une chambre, mais c'est surtout pour les valises en fait. Bon, on est dans les couloirs. Je suis avec JP. Ça fine. On va monter en haut. Venez, on monte à pied, non? Monte à pied? Ça a l'air d'être galère là, il y a trop de monde. Elle a l'air galère, pas toi. Je sais pas, hein. Get. Ça a l'air d'être compliqué. Donc. Oh là, il m'a donné un petit kiff. Ouais, 150 000 à la fin de ta gueule. Vas-y, fais-le. Ferme ta gueule. Non, mais faut que tu dises un truc. Ah, non, ferme ta gueule. Eh, j'ai pas tué quoi. Ouais. Non, mais là, il a parlé normalement là. Non, faut que tu dises un truc sur moi, genre. Ah ouais. Je sais pas, genre, gueule de cheval, nique ta mère. Ouais, gueule de cheval, ouais. Voilà, t'as un truc comme ça. Je peux en faire un? Ah, t'es trop bon, non, c'est pas vrai, t'es trop laid. Ascenseur. Oh. Oh, c'est deux fois moi. Oh. Oh. Hein? It's me. Oh. Ouais. Ouais, il y a une caméra. Pourquoi t'as pris le bar et soi? Pour un coup. Non, mais il y a le bar en haut. Bar Sun. Ouais, j'ai pas dit. Ouais. Hey, j'ai pas dit quoi, je suis un fils de pute. Oui, oui, très très bien. Attends, c'est bon. Non, mais ta gueule, pas comme la dernière fois. Arrête. Comme la dernière fois, connard. Empêche-le. On est au 7, on va au 8, dégage. Ah, dégage, salope. Le bateau va démarrer, c'est parti pour une longue traversée. Ça a charbonné le live. Ouais, retour à la réalité. Twitch. Ça a défoncé Twitch, ma gueule. Twitch, rendez-vous, Twitch. Faut qu'on reprenne un peu Fortnite, ouais. Valo. Et le soir, on se fait du GTA. Hein. Vivement que les gens vont partir dormir ou je sais pas ce qu'ils vont faire. Dormir? Non, mais les gens. Ah, les gens, ouais. Ça se vide un peu là. JP. Ouais. JP. Oh putain, j'avais même pas vu. On a le même maillot là. Bah ouais, on a le même maillot. Beau gosse. Bravo. Tu veux voir ça online? Ouais. Bah, les gars. Pour moi, du coup, ça sera un iced tea citron, les gars. J'ai pris une tarte au citron. Ouais, j'aime le citron, exactement. Et j'ai commandé une pizza, une marguerite, j'ai la dalle. Elle est bien, elle est bonne. Défonce-la. Montre aux gens. Oh. Et tout ça avec la vue sur la mer. Tranquillement. Là, c'est la traversée. Si on arrive à 6h du matin. Ça fait 1h30, j'attends une pizza. Elle arrive jamais, je suis en train de péter un câble. Je filmais, il faisait jour. J'attendais la pizza. Là, il fait presque nuit, j'ai toujours pas la pizza. Mais là, c'est grave, quoi. Wesh, j'ai complètement oublié de filmer ma pizza, wesh. En vrai, ça va, normal, quoi. Bon, je me découvre des sensations. Tu sais, je suis resté trop longtemps à l'intérieur et en fait, la mer est légèrement agitée. Du coup, je me suis retrouvé. Je suis resté trop longtemps assis, les refs, et j'avais la tête qui tournait. Là, en vrai, le fait de sortir, ça fait grave du bien. Putain, ça m'a tué de dingue. Et je vais vous montrer un peu la vue. Et je vous jure, j'ai trop envie de plonger. Et si je fais ça, je meurs. Et je vous montre pas, j'ai pas trop envie de mourir. C'est bizarre, je suis un peu le seum. Je pensais que j'allais voir genre des baleines ou même des dauphins, tu vois. Alors, en vrai, soit l'aller ou le retour, pour l'instant, j'ai rien vu. La vue, la tête de l'homme, elle reste incroyable. Et dire que c'est mon dernier vlog de ces vacances. Et il y aura d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube, hein. Je dis pas que c'est la dernière vidéo de ma chaîne YouTube, mais c'est la dernière vidéo des vacances. Et ça, les gars, c'est triste. Mais on s'est bien amusé. Hein. Bref, j'étais fatigué, je voulais dormir là, j'ai même plus envie de dormir tellement que c'est incroyable. Ça fait du bien, du vent. Du vent bien frais. Je vais essayer d'être raisonnable. Mon corps, il a besoin de sommeil là. En vrai. Surtout que je me réveille tôt. Je me réveille à 5h du matin. Sachant que j'ai pas beaucoup dormi, j'ai dû emmener Becca à l'aéroport. Je crois que je me suis couché vers 4h, 4h30. Et je me suis réveillé vers 8h. Je vais rentrer à l'intérieur. Je vais aller dans la chambre. Ah, vas-y, j'ai le seum, fini. Et je me suis fait baiser, frère. Vas-y, j'ai appuyé sur 4. Je suis descendu au 7, frère. Un étage. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais moi, je suis sorti comme un con. Il n'y avait pas écrit à l'intérieur. Bah, je suis pas fou. 4217. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Nous informons tous les passagers que le seul service fermera dans 15 minutes. Faut que je laisse dedans? Oui, enlever.
Si c'est pas vert, ça veut dire qu'elle est démagnétisée, la carte. Donc faut monter à l'accueil. Et il faut dire que la carte est démagnétisée, donc les numéros de chambre. Ok, d'accord, bah c'est gentil. Bah je vais y aller. Ah, je vais péter un câble. Les gars, je deviens fou, frère. Ça s'ouvre pas, frère. Et je vous jure, guettez. Tu vois, ça fait que rouge, frère. Pète les couilles. Je suis obligé de remonter, frère. C'est bon, j'ai refait magnétiser la carte. Là, je fonce dans la chambre. Si ça marche pas, je pète un câble, frère. Eh, voilà, frère. Ça a direct marché. Non, ça va, ça pue pas la merde. Il a pas du chier. Je vous montre la chambre. C'est vraiment un petit truc, hein. Tac, là, il y a des lits qui se tirent. Je vais me tirer un petit lit. Et je vais me coucher. L'ours, il a dormi vers là. Je sais pas, il a dormi où. Eh, demain, la brûlure, frère. Demain, la brûlure. Guette-moi ça, frère. Eh, mais les gars. Eh, on ça. Dans un bateau, c'est une épreuve de Fort Boyard, moi. Et je crois que j'étais dans Koh-Lanta. J'étais là, j'essayais de viser le trou. Ça bougeait, tête qui tourne. Et dinguerie le truc. Vas-y, du coup, là, je pense que je vais me reposer un peu. Je vous reprendrai dès le matin pour clôturer ce vlog. Et voilà, on se capte. Moi, je file dormir. J'en peux plus. Je me suis mis en hauteur. À demain, let's go. Là, j'étais tranquillement en train de dormir. Il arrivait, regardez, il est en train de chier. La porte ouverte. La chambre elle est toute petite, ça va sentir la merde. Là on est d'accord que ça sent pas encore. Non. Non, tu vois. Bon ça va, j'ai l'habitude à la maison du tout. Mais ça va sentir d'un coup frère. Mais ferme la porte, s'il te plaît, ferme la porte. Attends là ça sent pas. Non, s'il te plaît, Jawad, ferme la porte, joue pas au con. Attends, non mais Jawad, mais tu fais exprès frère. Alors vite fait. Ah mais... Et je te jure, tu sais que tu pensais qu'à l'époque tu montais, quand tu disais que tu chiais 5 fois par jour. Non mais c'est vrai. Hein. Ouais, ouais, hein. Mais attends, ça c'est bon. En ça, toi tu chies combien de jours, combien de fois par jour? Franchement c'est une fois par jour, voire une fois tous les deux jours. C'est impossible. Wallah. Ou une fois par jour. Non, attends, c'est moi le problème frère. Moi c'est tout le monde, j'en suis sûr que je demande à tout le monde. Ça veut dire que tu manges pas? Bah si je mange trop. Et alors, mais ton truc digestif, il fait comment? T'es ouf toi? Bon au contraire, moi il chie, il fuit l'évacuation. Mais non, toi on dirait un oiseau. T'as le même... Regarde, c'est pas drôle. T'as le même estomac qu'un oiseau, genre le système digestif. C'est-à-dire? Tu chies, en fait. Tu manges et tu chies. Ouais, tu manges, tu chies direct. Et en plus, j'ai vu la dernière fois, bah ils l'ont vu dans le vlog, c'est ultra liquide. Ouais, bah non, j'étais en terre de gastro là. Ouais. Non, la bouffe elle est pas et pareille. Et c'est des petits caca, non? Ouais, c'est des petits. Tu vois, t'es un oiseau. Petit caca. T'es un petit colibri. Nous on est des hommes, nous on fait des gros caca tous les deux jours. Ouais, c'est plus fort que toi là. il a une femme, hein, en plus, hein. Coucou. Putain, je sais pas comment. Oh là. Mais tu vas faire quoi là, tout seul comme un fou? Je rejoins JP. Mais il est seul. Mais appelle-le, Dieu qu'il vient de dormir. Vous savez pourquoi il vient pas ici? Il reste en haut. Pourquoi? Comme ça il peut fumer. Ouais, je suis à la réception, je veux dire, il y a trop de bruit dans la 4217, j'arrive pas à dormir. Vas-y. T'as chiche. Attends, ça tourne. De quoi? Vas-y. Je vais aller à la réception, je veux dire, madame, il y a la 4217, il y a trop de bruit, ils font vraiment beaucoup de bruit. Non, arrête, on peut se faire virer. En roulant, on peut servir, arrête. Il y a un gorille qui rentre. je dis ça, quel gramme. Laisse-moi en dehors de ça. Elle va rentrer, elle va voir deux mecs et une meuf. Allez, bonne nuit. Retour sur le continent. Et nous espérons vous revoir bientôt. Je suis mort. Ah, mais là-bas, tu sors encore. Ça fait 15 minutes là-bas, je suis au club, il en suit. Là, comment j'ai pas me garer là. Parce que moi je suis pas fils de pute à dormir toute la nuit, moi. D'accord? Il est malade, frère. Il dort toute la nuit. J'ai vu quelque chose parce que ça me donne. Ah, vos gueules, c'est bon. C'est bon. Yeah. Je vais bien là. Il précise de toi. Il peut y aller où?
Tout le monde sait ça. Il va aller cambrioler le tabac du coin. Il y a ça fait rire, ça fait rire. Il y a des idiots qui rigolent. Là, vu que j'en ai deux devant moi. Voilà quoi. Là, franchement, c'est drôle. La passion, c'est une vertu. Eh, ferme ta gueule, ta vertu, je vais t'emmener. Je vais t'attaquer dans les gueules. Ah, vas-y, moi, je passe de côté, j'ai un embrouillé. Hop. Allez, merci, au revoir. Moi, je suis giflé le pauvre. Capitaine Haddock, comment il va, Capitaine Haddock? Est-ce qu'il a fumé sa clope, Capitaine Haddock? Ah, c'est pour ça que t'étais énervé. Ah, c'est bon, il a fumé son paquet là, Enfin, retour à la maison. Là, maintenant, et TK, ils vont prendre le train et nous, on va rentrer à la maison. Voilà, voilà, parce que nous, on habite à Nice, donc tranquille. Petit retour à la maison, ça fait du bien quand même. On a fait 12 heures de bateau, je crois, 12-13 heures de bateau. C'était difficile. On s'approche d'une fin de vlog, là. Train à 5 heures du matin, cul sec. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Il a sifflé une bouteille de Fanta Citron. Comme ça? Même toi, tu bois du coca, il est 6 heures du matin, j'étais malade. J'ai pas dormi, moi. Je dis chips à l'ancienne et tout. Non, non, fais pas ça. C'est pas ça. T'as interdit. Ils vont arriver en gang. Ah ouais. Ils vont te niquer. Bonne année 2000. Ah, ça y est, on a compris. Ça y est, ouais, bonne année, au revoir. On s'est bien amusé. Ça y est. Qu'est-ce que tu penses de la gare? C'est bon. Cassez-moi pas les couilles. La honte. C'est ça, Sacha de Bourg-Palette. Non, c'est Sacha de Marrakech, moi. Marrakech. Sacha de Marrakech. Et lui, c'est qui, lui? C'est lui. Regarde, vas-y. Tu vois, retourne-toi. Mais ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Retourne-toi. On se déteste. On s'aime pas. Moi, je sers la main. Et ta mère. Bande de fous, tu vois. 4 millions d'abonnés, on est que ta mère. Voilà, t'as jamais aimé. Accompagne-nous au moins ici. Qu'est-ce que tu racontes, je t'aime pas. Juste pour moi, c'est à ta place. Ok. Ça y est, je viens de rentrer au local. Je retrouve mon petit setup. Mon petit décor. JP pareil. La Corse, c'est officiellement terminé. Les vlogs des vacances en Corse, c'est officiellement terminé. J'espère que vous allez kiffer cette petite série de vlogs. Et puis, bientôt, on se retrouvera pour d'autres vidéos YouTube et pour d'autres vacances. Je l'espère très rapidement, la Gaming House. On va préparer pas mal de trucs. Et puis, on se retrouve en live sur Twitch comme tous les jours. Naruto V tiré du bas, les refs. Naruto V tiré du bas. Et on va bombarder les lives. Et let's go. Nique sa mère, on va tout niquer sur Twitch. Les vacances, c'est fini. Ciao.